Nous sommes là pour célébrer les 90 ans de la faculté de philosophie avec deux perspectives. Déjà, premièrement, rassembler un petit peu toute la faculté, les étudiants, les auditeurs, les collègues enseignants, bien sûr, et également pour faire mémoire un peu d'une histoire, de ces 90 ans. Mais je suis certain que cet anniversaire va également permettre à la faculté d'envisager l'avenir avec confiance. Envisager l'avenir avec confiance du fait des apports nouveaux que la faculté de philosophie a reçus ces dernières années. Envisager l'avenir avec confiance du fait de la richesse du cycle d'études doctorales de la faculté, je crois que c'est une très très belle réalité, un cycle d'études doctorales dont le rayonnement international, dont le dynamisme, disent la qualité de la recherche en philosophie à Lyon. Et puis une dernière remarque qui pour moi n'est pas marginale, je voudrais souligner la cordialité des philosophes de cette faculté ecclésiastique de notre université. En somme, il ne s'agit pas pour vous, chers collègues, d'en rester à un simple discours sur l'éthique, qu'il est facile de donner. Il s'agit pour vous de tenter modestement au quotidien de mettre en œuvre une éthique en action, caractérisée par la cordialité des relations, et je pense que toute l'université vous en est reconnaissante. Encore une fois, tous mes vœux à la faculté de philosophie, à son personnel administratif, à ses enseignants, à ses étudiants, en cet anniversaire, et tous mes remerciements à tous ceux qui ont contribué, au long des années, chacun à leur place, à faire de cette faculté ce qu'elle est aujourd'hui, une belle réalité, monsieur le doyen. Je vous remercie de votre attention.